Welcome back on my channel. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit Green Day. J'ai pas pris un single parce que c'était un petit peu trop évident comme choix, mais j'ai pris le dernier titre de ce super album American Idiot et ça s'appelle What's a Name. Encore une fois, c'est facile à jouer, c'est un petit peu le principe de cette chaîne. Alors c'est parti. Intro, hyper facile, on peut pas faire plus facile je pense. Vous allez jouer les cordes 6 et 5 à vide. Facile. Ensuite, on va passer sur les cordes 5 et 4 aux cases 5 et 7. C'est un peu comme un accord de cinquième, sauf que vous mettez pas la dernière corde. Et ça, vous le jouez en palm mute. Ensuite, une fois qu'on est là, on va se décaler sur les cases 2 et 4. Toujours en palm mute. On les joue 16 fois chacun. Donc 16 fois, 16 fois, 16 fois, 16 fois. Je vous invite à regarder l'autre vidéo pour avoir le rythme et tout. Donc en gros, ça fait... On recommence. 5, 2. Ensuite, on va rester en palm mute et on va jouer les cordes 6 et 5. Les deux dernières. Case 5. Ensuite à vide, ensuite 4, 9 et 7. C'est parti. Et on recommence. Sur la case 5, 8 fois, puis la case 7, 8 fois aussi, toujours en palm mute. Donc ensuite, on enchaîne avec le deuxième couplet et on rejoue la même chose en palm mute. Donc 16 fois, 16 fois, 16 fois, 16 fois, on recommence. 5, à vide, 4, 9, 7. 5, 8, 4, 9, 7, 5, 7. C'est deux fois la même chose, c'est pas compliqué. Et ensuite, waouh, on arrête le palm mute. Vous avez la lead guitare qui fait un petit truc avec le ré. Donc là, vous êtes en accord de cinquième. Corde 5, 4, 3, case 2 et 4. Vous jouez deux fois. Et ensuite, on reprend ce qu'on joue depuis le début. Donc avec les cases 5, à vide, 4, 9, 7. Sauf que cette fois-ci, on le joue sans palm mute. Donc ça fait en gros... On le rejoue une deuxième fois. Ensuite, je crois que c'est là qu'on a le solo à peu près. La rythmique, elle continue avec toujours les cordes 6 et 5. Case 5, à vide, 7, à vide. On va le jouer deux fois. Donc ça, vous le jouez deux fois. Je crois qu'on rejoue une fois comme ce qu'on joue depuis le début, 5, 4, 7, 9, pardon, 7. Et ensuite, même accord, 5, sauf qu'on va gratter cette fois-ci que 5 fois l'accord. Non, en fait c'est 4 fois l'accord. Et là une demi-fois. 4 fois. Oh là là! Et on arrive à la fin.
parce que j'en parle en latin, pourtant c'est pas compliqué à jouer. Accord, cinquième case. Septième, c'est la vide. Sauf que là, on va faire 8 fois cet accord, 5 fois celui-là, et 3 à vide. Donc ça fait... Donc ça, vous le jouez 3 fois, enfin, une fois ce que je viens de faire. Et donc, on finit par la case 5 plus 7, que vous jouez 8 fois chacune. Et on finit comme on a commencé l'intro, c'est-à-dire avec ces deux petits accords en pad mute, 16 fois, 16 fois, et les deux dernières cordes à vide pour terminer. Voilà, c'était un petit peu laborieux, hein, mais j'espère que ça a été utile. Je vous dis à la prochaine, take care, bye. Et on recommence le couplet. Pareil, 16 fois, 16 fois, 16 fois, 16 fois, hop. On revient au je sais même plus où j'en suis, au couplet. Case 5, allez, case 4, 9, 7, 5, 7. Donc, enfin. Ensuite, on recommence. 4, 5, allez. 4, 9, 7, on recommence, 5, 4, 7, 9, pardon, oh fuck you, ok.